Madame la Présidente, Madame la Commissaire, Monsieur le Ministre, 4, c'est le nombre de débats en plénière depuis le début de cette législature sur la situation en Méditerranée. 4 débats, ça fait plus de 7 heures de discours. Pendant ce temps-là, plus de 3400 femmes, enfants et hommes ont trouvé la mort en Méditerranée. Le constat est toujours le même. En mer, les morts s'accumulent et les dirigeants politiques n'entendent même plus leur agonie. Ils regardent ailleurs. Pendant combien de temps encore allons-nous débattre au lieu de prendre les décisions qui s'imposent pour sauver des vies humaines? Pendant combien de temps allons-nous encore laisser Frontex abandonner les embarcations en grande détresse ou pire, passer la main aux gardes-côtes libyens? Combien de temps encore allons-nous croire que le pacte migration présenté par la Commission européenne apportera les solutions nécessaires, alors qu'il s'agit d'un pacte au rabais largement inapplicable et fortement inspiré des positions d'Orban et consorts? L'Europe fait l'autruche. L'Europe est complice et pire encore, elle criminalise celles et ceux qui viennent en aide aux exilés. L'Europe est devenue cynique. Madame la Commissaire, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs, mes chers collègues, prenons nos responsabilités. Maintenant, tout de suite, créons une mission de sauvetage européenne et retrouvons notre humanité.